C'est 907 pour le SPQC et on est deux. Severe dehydration. Ta gueule! On est deux. Arrête! J'essaye de parler, femme! On m'a coupé! On est de retour dans Somnantica! Hey, j'ai vraiment pas attendu longtemps, le truc est déjà sorti! Nice! Ok, bon, on va voir. Comme on peut voir, équipement... Oh, 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 what the fuck is that? LED, silicone, titane. Combinaison anti-radiation. Voyons voir. Oh god! Oh my god! Ok. Ok. Hey, il s'est rendu en français aussi. Ça a-tu toujours été en français? Blah, je m'en souviens pas. En tout cas, ouh, sous-marin en plus, intéressant. Ok, je vais aller me chercher de l'eau pour plus vite. Alors, sérieusement, l'attente a été vraiment courte. Je m'attendais pas à ce que ça soit déjà sorti. Hey, je peux voir. Je peux voir mon autre sous-marin qui est sous terre. Je peux voir le sous-marin qui est là-bas. Je peux voir le gros sous-marin. Cool. Oh, même le beacon, il a son propre affaire. Je n'ai pas de batterie dans cette affaire. Oh god. Oh, ok. That lag, though. J'ai vu aussi qu'il y avait une nouveau façon de le lancer. Oh, firing string pusher. Oh, c'est quoi ça? Ouh, cool. Je peux prendre les power cells, non? Fabricateur, un ladder. Fragment analysé. Oh! What the fuck is that? Construction d'un exosquelette. Ouh! Cool. Faut-tu que je mette ça maintenant? Faut-tu que je l'équipe? Non, ok. C'est quoi le blueprint de exosquelette d'abord? Huh. Hey, toi, est-ce que j'ai débloqué un exosquelette? Non, ok. Oh, first aid. Oh, god. Maintenant, il y a des first aid dans le jeu. Je pense que je vais me laisser crever de soif parce que là, j'ai pas pris trop de... Oh, god. Je lag les... Oh, what the fuck is going on? Pourquoi je lag autant? Scanning the aurora. Zero life signs detected. What? Lethal radiation levels detected. The main drive core has malfunctioned. What? The primary dark matter containment field has dropped to 36% amplitude. Continuing to monitor. What? Oh, je viens de scanner le vaisseau Aurora? What the fuck? Il vient de me dire zéro dans le truc. Il n'y a aucune vie dans le vaisseau Aurora. Mon vaisseau vient de me dire ça. S'il vous plaît, est-ce que vous auriez quelqu'un qui pourrait me donner de l'eau, s'il vous plaît? J'aurais besoin d'eau rapidement. Parce que je vais mourir de Swift! Swift? Je vais pas mourir de Swift, moi. Je vais pas regarder l'heure que j'ai commencé, mais je risque de crever. Oh, des creep vines. Ça va pouvoir me faire durer le temps que je trouve de ces maudits poissons. Prends-en le plus possible des creep vines. Ok, j'ai capoté. Je pensais que j'étais dans un mauvais numéro. Dans une mauvaise place. Et voilà, ça va me faire durer un peu plus longtemps. My god, j'ai-tu détruit la population de poissons qui donnent de l'eau? Ok, non, il y en a un là. Wouh! Merci, mon dieu. Et dans cette douille. Hello, my friend. Je veux pas t'avoir dans mes mains, c'est un peu creepy. Oh, mon oxygène. Warning, 30 seconds of oxygen remaining. No! 20 seconds. Ih, ça va descendre vraiment vite. Mais me voilà à la surface. Pourquoi j'ai pas pris mon sous-marin pour aller juste ici? Ça irait nettement plus vite. C'est quoi ça? C'est quoi cette affaire-là, là-bas? Ah, c'est des grivines. Ok. Je pensais qu'il y avait une bébête qui s'approchait vers moi avec des... Ils ont rajouté des nouveaux sons dans le jeu. Est-ce que j'entends la petite musique? J'ignore si je le record correctement, mais... La musique a changé légèrement. Est-ce qu'il y a... J'aimerais ça avoir plus de poissons qui me donnent de l'eau, sérieusement.
Hein, j'entends un son de lave. Oh, Spadefish. Spadefish! Les fiches qui donnent tellement de bouffe que c'est... Non! Don't you dare. Ok, good. Ouais, je pense que je vais crever de soif avant de me rendre, avant de trouver d'autres bladderfish. God damn it! Pourquoi il n'y a pas de bladder de foutu poisson qui donne de l'eau dans le coin? J'ai-tu exterminé la race au complet? What the fuck are you? Ah, ok, c'était la bébête qui creuse sur le sable. Le sable. 30 seconds of oxygen remaining. Je vais crever anyway, check-moi et mourir en quelques secondes. Je pense que la santé va descendre plus rapidement vu que. Avec la nouvelle update. 5, ok. 1, 2, 3, 4. Ok, à peu près à 4 secondes, je perds de la santé. À peu près. C'est quand même assez rapide, puis c'est pas toujours 5 à ce que je vois. Ok. Je pensais que c'était tout le temps 5 points de santé perdu. Je pense que je vais me laisser mourir parce que. Sérieusement, je vois pas l'utilité d'essayer de trouver de l'eau si j'en trouve pas nulle part, à part le petit poisson que j'ai trouvé à l'instant. C'est vraiment inutile. Alors, je pense que je vais me laisser mourir. Il y en a un autre! What? Ah, ok, ouais. Hey! Salut, beauté! Je te veux pas, toi. Hey! Caution, the aurora. Est-ce que tu... Just erratic fluctuations in the primary dark matter containment field. A breach of the main drive chamber may cause a cascading quantum flux detonation. What? Et je suis mort. Ouais, vaut mieux que je me laisse mourir tant qu'à moi. Checkez-moi ça avec l'eau que j'ai! Nice! J'ai perdu du matériel par contre. Ah, j'ai perdu les poissons que j'avais, c'est pas plus grave que ça. Ok, là je veux... Shift. Ok, bon, là je veux commencer à essayer de construire l'exosuit au plus vite. Ah. Deux LED, deux silicone, deux titane. Ok, silicone, c'est du quartz. Qu'est-ce qui prend du LED? Copper ore et minerai d'argent. Oh, ok, je vais aller à mon... Je vais aller à mon gros sous-marin puisque j'ai du storage qui est là-bas. J'ai plein de stock là-bas. En espérant pas manquer de stock parce que sérieusement, ça c'est juste chien. Avec ma petite base, je peux même déconstruire ma base si je veux. Je vais juste utiliser mon sous-marin tant qu'à moi. Je vais pas l'utiliser d'utiliser autre chose. Non, j'ai perdu aussi mes spadefish, c'est vrai. Je pense que j'ai perdu tout ce qui est bouffe et poisson. Puisque vu que je suis mort, les poissons sont dit. Fuck it! Je m'en vais de 7! I'm out of here! Ok, donc j'ai besoin de copper, s'il vous plaît. Merci. Il fallait 3 copper pour faire un affaire. Hein. Wow! Ok, je peux marcher vers le stock, ok. J'ai besoin de LED, s'il te plaît. Je crois que j'aurais pas assez pour faire aucune affaire. Dang it! Ok, donc. Il faut que je me trouve un autre. Argent, du silicone, j'en ai sûrement dans mon coffre. J'ai de l'or. Est-ce que j'ai de l'argent? Oh, j'ai un minerai d'argent dans mon. Hop! Oh my god! Oh my god! Ok. LED, s'il vous plaît, merci. Merci pour le LED. Ok, maintenant deux silicones et deux titanes. Titanes, c'est pas facile, j'en ai pas. Ok. Alors, toi, je vais te store parce que je veux pas. J'ai pas vraiment besoin de toi. J'ai besoin de silicone. Pour faire du silicone, c'est quoi que ça me prend? Ah oui, du quartz. Du quartz. J'ai pas du quartz sur moi. Ok. On va aller chercher ça. Qu'est-ce qui me manque d'autre? Du titane. Ok, good. Du titane, c'est. Super facile à trouver. Check-moi bien. 3. Non. 3. Et j'ai du titane! Yeah! Woup woup! Ok, maintenant il me faut juste une couple de silicone. Je vais ranger mon titane.
moins ils ont augmenté le nombre de quartz qui spawnent. Ou c'est juste le truc à respawner du quartz dans les alentours. En tout cas, à date, je vois pas mal plus de quartz facilement. On a un autre jeu, c'est ça? Voyons voir. J'ai aussi vu qu'ils ont rajouté un nouveau mob qui est extrêmement hostile, si j'ai bien vu. J'ai pas hâte de voir ça. Non, j'ai hâte de le voir, mais en même temps, j'ai pas hâte. J'ai entendu un boomer à quelque part, une bibitte explosif, un poisson explosif. Je vais essayer de me tenir loin, je veux pas vraiment me battre contre ça. Okidoki! Je pense que je vais aller. Je vais aller voir mon gros sous-marin et je vais essayer de me rendre avec le gros sous-marin là-bas. Spikes in quantum fluctuation suggest an uncontrolled cascade detonation will occur with a probability of 83.5%. J'ai de la misère à comprendre ce qu'elle dit. Ça serait peut-être utile si la voix était en français. Peut-être que je comprendrais mieux, mais je comprenais absolument rien. Surtout que la voix était quand même assez basse. Donc c'est pour ça que j'ai arrêté de parler pendant quelques secondes. Nice! Radiation element. Put it on! Shift left mouse. Nice! Nope. What the fuck? Ok, alors, direction. Vaisseau mère! Indiana Jones. Ah, ok, je pensais que ma tête était juste à l'envers, mais non, mon corps retournait complètement. Oh yeah, je conduis à l'envers! Et j'ai hâte de voir ça, sérieusement. J'ai hâte! Regardez-moi ce gros vaisseau-là! J'ai bien vu, un moment donné, il est supposé d'exploser le vaisseau, mais j'espère qu'il explosera pas pendant que je vais être là, parce que sérieusement, ce serait assez géant. Assez gigant! Vaisseau! Oh, nice! Oh my god! J'ai hâte si ça va rester une texture de même, s'il y a une entrée à quelque part. Je regarde le message qu'il nous envoyait et que la fille me disait, c'était juste que le vaisseau va exploser dans pas long, et moi je suis en train de m'en approcher pour voir l'explosion. Il va exploser avec le vaisseau. Bra. Checkez-moi ça, toutes les bladder fish! Manque pas d'eau ici, en tout cas. What the fuck is that? Oh god. Oh god. What the fuck is that? I don't wanna die. What the fuck is that? Oh god. Frisson. Frisson. Readings from the Aurora show severe instability in the primary drive core. The central dark matter reactor will reach a supercritical state. Okay. In T minus 10, 9, no! 8, 7, no! 6, no! 5. J'ai compris, c'est quoi le message? 3, 2, fuck! Uh-oh. Mon vaisseau est correct? Mon vaisseau est correct? Holy shit, that lag though. Oh god. Oh god, j'ai perdu gros du power par contre juste à faire ça. Oh god. Oh god. Ok. Je viens de comprendre c'était quoi le message alors. Oh my god. Oh! Moi qui pensais que j'allais exploser avec le vaisseau! Ouh! Ouh! Ah, c'est triste par contre, j'ai pas pu voir l'explosion parce que justement j'essaie de fuir au vaisseau.
C'était quoi cette grosse bébête là? J'ai juste vu un petit bout. Ok, attends un petit peu. Je pense que c'est pas mal l'heure, anyway, de mettre une pause à cet épisode. 15 minutes pile. Ouais, ok. Je vais revenir dans cette partie-là dans le prochain épisode. Mais je pense que je vais laisser mon gros vaisseau proche de la base, puisqu'on veut voir en haut, il est à 34% d'énergie. Je voudrais pas le détruire. Puis, oh god, ça risque d'être prometteur. Je vais retourner voir ce vaisseau-là. Sûr à 100%. Ok, alors c'était IT-907 pour les SPQC. Je suis content que cette série-là soit de retour à cette bonne heure, sérieusement. C'est vraiment cool, je vais pouvoir recommencer à jouer et aller explorer ce gros vaisseau-là. Maintenant que j'ai déjà la Radiation Suit construite, ça va être plus simple. Juste pour être sûr, je veux juste voir avant de quitter. Est-ce qu'il y a un mob dans le coin? Est-ce qu'il y a un gros monstre dans le coin qui veut me bouffer? Non, ok, c'est good. Alors, c'était IT-907 pour la SPQC. On se revoit à la prochaine. Bye bye tout le monde!